Les trois personnes qui ont tué une. C'est votre, petit-fils. Comment il est votre petit-fils? C'est mon enfant, mon fils, le garçon. Son papa est gendarme. C'est lui qu'on a caché là. On a même fait cette belle chose à Zaripo. On l'a attaché, le petit l'a attaché. Le petit, le papa même est venu à Zaripo là-bas. Pour tous ceux qui sont venus à la cité là, et tous sont venus. C'est nous ce qu'on a ici. Tu ne tues pas papa. T'as André, si tu tues papa, tu n'as pas visé papa. Il dit qu'il ne veut plus de nous. Non, on va tout faire, il va répondre son fils. C'est ça, c'est ça. Si, il va répondre son fils. Il va dans Zagui. Il a bien, mais il n'a pas dit. Non, 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 je n'ai pas qu'on le met sous la pression. L'enfant me dit que c'est fini. Il dit ça, c'est ça. Non, ici, là, les aveux ne sont pas. C'est pas une corvée où on force les gens. Non. Laissez le petit. Si moi je trouve nécessaire, c'est le petit mot, je l'ai dit. Mais le petit se sent dans l'obligation de dire parce qu'il a envie de. Vous voyez, sans plus dans sa manière de faire. Il n'est pas obligé de se mettre là pour parler. Il le fait parce qu'il a envie de quitter une confrérie. Voilà, voyez ça comme ça. Nous, c'est comme ça que vous voyez la chose. Donc le petit dit c'est fini parce qu'il y a un remords, je pense bien. Donc c'est ça, c'est tout ce qu'il faut regarder, qu'il a dit. Mais il faut qu'un travail soit fait près de ses parents. Les gens veulent que les enfants parlent. Ce n'est pas lui seul qui fait ça. Hein. Il y a beaucoup qui font ça. Après les aveux, c'est fini. Coupe le pont avec les gens. Non, c'est fini. Non. Vous devez le prendre. Amen. Amen. Parce qu'il vivait avec lui pendant qu'il était sorti. Maintenant qu'il est délivré, il faut le prendre. Parce que si tu le rejettes, que la chose revient, c'est toi qui vas manger. Et toi, je te pose la question, pourquoi ton fils a réussi à te prendre, t'attacher? Vous savez, il n'y avait rien en toi. Tu n'es pas Dieu. Non, c'est tout à fait normal. On va t'aider. André. Dis-moi. Tu peux manger. Tu peux manger. Hein? Pourquoi? Zadi, on va t'aider. T'as André. On va annuler tout seul en toi. Et tu serais demain bien. Hein? Tu vas ta voiture. Tu vas perdre ta femme. Tu vas faire tes enfants. T'as vu, non? T'as vu, non? Amen. Moi, t'es délivré, hein? Tu es mon camarade, je t'ai délivré. Tu as quelqu'un, Dieu, quoi. Tu as quelqu'un. Dieu. Alléluia. Tu as quelqu'un, Dieu, quoi. Dieu. Je vais manifester l'amour de vous, c'est important. Il faut manifester l'amour. On va tout faire, son papa va le récupérer. Mais c'est bon, on ne va pas le rejeter. Vous savez, quand vous écoutez très bien les aveux, ce qui doit vous tranquilliser, on m'a initié, c'est tout. Ça doit vous apaiser. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enfant. C'est là, je dis à Sokosé, ou bien à Kinkage, ou bien dans une pharmacie. L'enfant m'a dit, un monsieur l'a récupéré comme ça. Elle peut lui imposer la sorcellerie. Vous comprenez? Il rentre dans un marché où même c'est un non-retour, il ne peut pas. Il ne peut pas de lui-même quitter la confrérie. Il ne peut pas. C'est ça, c'est ce qu'il devait apaiser tout le monde. C'est parce que les gens veulent être sorciers qui sont sorciers. Même toi, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Toi-même qui assis, on peut changer ta vie. Elle se nuit. Quelqu'un peut venir changer ta vie. Tu es un sorcier. C'est pour ça que souvent, allez-y doucement avec les gens, même si on sort. Allez doucement, avec beaucoup de patience, dans l'esprit d'aider. Oh, les gens viennent ici avec l'esprit de Dieu, le prophète va le dévoiler. Bon, après, ça, on coupe les ponts. Comprenez, non? Non, avec beaucoup d'amour. Tout compte fait, c'est un parent. On ne décide pas, n'est-ce pas? C'est pas Dieu nous impose une famille. On ne choisit pas un parent. Sinon, chacun allait choisir un parent milliardaire au moins. Un parent sans sorcier. Mais c'est Dieu. Donc si toi, tu as cette possibilité d'aider le parent sorcier, il faut le faire. C'est ta part. Amen. Amen. D'aide que tu dois apporter à une personne que tu aimes bien. Or, c'est comme nous a mis dans la tête avant. On dit non, sorcier, change pas. Donc quand on trouve sorcier, on va tuer sorcier. Sorcier, il n'y a pas de camaraderie sorcier.
Mais quand on dit sorcier, c'est un esprit qui habite, une personne. C'est un démon. On peut débarrasser cette personne de ce démon. Mais en même temps, en approchant la personne que tu veux délivrer, il faut un acte d'amour. C'est-à-dire, il faut que la personne sente. Les sorciers ne parlent pas parce qu'ils ne sentent pas ou de l'aide. Non, il faut parler. J'ai parlé dans le verre. J'ai dit, j'ai tué, j'aggrave mon sort. J'ai tué tant de temps. Tu ne vas pas me frapper. Je ne parle pas. Tu sais qu'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas. Parce qu'on n'est pas sûr que tu peux aider. Donc, je vais venir parler. Est-ce que tu vas m'aider? Non. Sinon, mais je me tais. Je m'en fiche. Or, le monsieur ou la dame, elle a besoin d'aide. Parce que quand elle tue quelque part, il y a un moment, des moments de remords. On regarde certaines choses. Amen. Amen. Il y a tout ça qu'on regarde. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Manifestons l'amour. Tout en fait qu'on a Jésus-Christ, on est consacré, aucun démon ne peut nous attaquer. Aucun sorcier. Amen. Amen. Ce qui devait nous manifester autour de nous, c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Mais ils viendront toujours vous attaquer. Si vous regardez leur comportement, vous n'allez jamais les aider. Si vous regardez leur manière de faire, non, vous allez les tuer. Parce qu'ils ont cette habitude de faire du mal aux gens. Même si vous vivez avec eux, ils sont délivrés. Ils vont. Vous aurez un comportement des gens bizarres. Mais au fur du temps, vous allez voir que les gens, la puissance de Dieu va les transformer. C'est Dieu qui transforme, c'est la puissance de Jésus qui transforme le cœur d'un être humain. Amen. C'est Jésus seul qui peut transformer le cœur d'un être humain. Amen. Nous étions tous des mauvaises personnes que Jésus-Christ a transformées. Il n'y a pas quelqu'un qui est juste sur cette terre. Non. C'est vrai que lui, il est sorcier, mais toi, tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Aidons les gens. Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Tu es sorcier, viens ici. Tu as quel âge? Tu t'envoies ici. Voilà. Toi, tu es à la maison des sorciers. Qui t'a donné pour toi? Comment il t'a donné? Mais toi, si tu as regardé. Oui. Parfois. Elle dit quoi? Puis elle a dit quoi? Elle dit mangeait toi. Tu es garçon, tu es femme. Hein? C'est ça que. Ok, allons-y. Parle fort. Pour moi, elle va venir, elle va faire une maison de passion. Elle dit, elle arrive, elle va partir pour Dieu. C'est-à-dire que vous êtes tenté de manger vous deux ensemble. Tu as mangé ton poisson. Et puis elle a dit, attends, elle va te donner viande. Mais c'est ce que j'ai envie de dire. Attends, elle va aller prendre viande. C'est toi pourquoi? C'est elle vous donner aussi, non? Donc elle dit, attends, moi j'ai pris le poisson, mais tu vas augmenter, comme tu aimes bien viande, je vais aller chercher viande pour te donner. C'est ça? Et puis elle est partie. À son retour. Non. Je l'ai reconnu. Mais les tasses, quoi tu fais ça? Je suis allé me coucher. Elle m'a mis au dos, elle m'a mis au dos, elle m'a mis au dos, parce qu'elle était dans le vieux avion.
commencé à rire. Arrivé là-bas, je vois, il y a un coffre. Il y a un coffre, il y a beaucoup d'hommes. Je me dis à mes camarades là-bas. Est-ce que vous voulez que viennent manger, viennent sauce. Ah, toi, tu as sauce, pour toi, il y a sauce. C'est Zadiri, il braise. Zadi, toi, tu braises. Hein? Tu n'as pas le temps de faire sauce. Même sauce claire, tu ne fais pas. Tu braises. Hein? Toi, tu braises. Où t'en es le feu pour braiser la viande? Ça sort. Tu le fais bien. Zadi, tu es dangereux. Tu m'as fatigué. Simple. C'est dangereux, hein? Les gens cherchent à accompagner ça. Vous voulez peut-être accueillir à Godjama, toi tu manges ça seul. Oui, allons-y. Je vais aider un cadre. Quand on dit la chose qui est métier. Et là, le temps, on va tuer quelqu'un. On va dire que. On va dire qu'il n'y a pas de au village. Et là, le temps, le temps, on va le faire. On va donner espoir qu'il y a une. Je n'ai pas saisi. Qui donne la sorcellerie t'a tué, qui t'a fait quoi? On n'a pas encore tué. C'est arrivé au village maintenant. En attendant, on a le grand frère de mon papa. Il dit que sans qu'il y ait un guéri, il dit bien qu'il y a mangé. On m'a prouvé. On n'a pas donné ceci. Là maintenant, il a donné mon neveu. Ils l'ont tué. Il est mort. Ah, mais tu as tué? Tu n'as pas du collègue qui t'a battu. Tu as tué Neveu là, il est mort là, j'ai pas mort. Tu l'as tué comment? Il est dormi chez lui là-bas. Tu es allé dormir chez le neveu? Il est dormi chez lui. Oui. Là, sa mère, son le même chien. On était ici, on était dans la chambre. Et comme ça, après, un peu. De ton neveu? Oui, là, on est sorti. Quand il dit neveu, c'est l'enfant à sa grande sœur, oui. C'est ta chose, toi, dans le cœur. Forcément, le cœur. J'ai dit, toi, tu avais le cœur. Tu as mangé. Il y a qui a pris le reste. Ton chef. Il y a une, ils ont mangé, ils ont lui donné orteil. Sa propre viande. Elle pleure. Elle avait les dénoncer. Ça a fait mal. Elle a envoyé sa petite soeur. Elles ont mangé. Sans penser à la petite. Tellement qu'ils sont méchants. Ils lui ont donné orteil. Elle avait venu dénoncer à Zaroko. Une fille, une petite fille peule. Elle n'aime pas de Dida. Hein. Les gens sont en train de tourner. Ils ont dit la petite soeur, on veut la manger. La soeur est réelle. On peut la faire comme abruti. Là, ils ont initié la petite. La petite aussi, elle a donné. C'est mal qu'on ait la confrérie. Ils ont mangé dans la sauce les recettes, orteils de la petite. On dit tiens, la petite elle mange pas bonne chose. Elle avait les dénoncés. Tu as tué combien? 25 personnes. Comment tu veux pour les tuer? 25. Je voulais tuer 5 personnes, mais il y avait les deux pour les tuer. Non, attends. Explique comment tu tues les gens. Tu as tué 25. 1, 2, 3, 4, 5. 25. 25 personnes. Tu fais comment pour les tuer? Non, tu fais comment pour les tuer? C'est pas transformé, tu fais comment pour les tuer? À mouche. Et puis tu fais comment? Tu rentres dans la maison. Et puis tu les tues. Comment tu fais? Mais si elle est sur moi, il me traite comme un homme.
Oui, ceci. Faut aller vite. Quand tu te mets en mouche, quand tu rentres, tu les tues. Tu fais comment pour les tuer? Quand tu rentres là, c'est que tu vas tuer. Quand tu rentres dans la chambre là, c'est pas les tuer, c'est pas quelqu'un qui va venir les tuer. Tu fais comment? Alors, va t'asseoir, allez, va t'asseoir. C'est moi qui t'envoie ici. C'est moi qui t'envoie ici. Allez, mais c'est quoi? Tu es me fatigué. Madame, viens. Toi, viens. C'est sorcier. T'as quel âge? Tu as fait quoi? Tuer le frère de ma mère. Qui t'a donné la sorcellerie? Ça s'appelle la première. C'est la seule et elle a donné un village. Elle m'a donné la. Comment t'appelles? Je m'appelle. C'est tout, tu es française. Betty quoi? Betty quoi? Tu dis Betty, on est tu es française. Tu as fait, tu es sorcière. Oui. Qui t'a donné la sorcellerie? Comment t'as donné la sorcellerie? Elle m'a donné le sang. Et puis quand il y a du vieux, c'est devenu sorcier. Tu n'as pas mangé la viande aussi? Si. Ouais. Et comment tu es devenu sorcière? Tu étais où après t'as donné le sang humain, la chair? Eh, mets-toi là-bas. Ta tête tomberait. Ici. C'est ton frère, non? Je vous ai dit d'envoyer à Zaro. Vous ne m'avez pas écouté. Comment il parle ici pour m'écouter? Vous me dites, dis-moi. Sinon, écoute, stop, stop. Moi, quand j'ai dit, on exécute. Si tu n'exécutes pas, vous prenez vos clics, vos claques, vous partez. On vous a dit les bêtises qu'il a fait ici, non? Surtout clôture pendant que les gens dorment ici. On vous a dit ça au moins. Donc, quand j'ai dit Zaroko, c'est même Zaroko, vous avez dit Divo. Tu as compris? Ici, là, comme ça. Je suis votre patron ici. Je suis censé de vous surveiller. Si il y a une bêtise, j'ai sanctionné ça. Tu as compris ce qu'il a dit? Donc, il ne faut pas décider toi-même. C'est moi qui décide ici. Tu es d'ici là, quand quelque chose arrive, c'est moi qui suis le responsable. J'étais à Abidjan et puis il a sauté la clôture. Le comportement des sorcelleries là, il envoie ça ici. Allons-y. Parce que vous êtes bandit, je suis voyou. Hein. Pour moi là, c'est positif. Vous ne pouvez pas me frapper. Je vous moins physique et puis je vous moins dans l'esprit. J'étais à dire, Zaroko, il y a quelqu'un qui me dit qu'il va me faire sorcellerie. Je veux me rendre avec. Je l'ai flashé 2 heures, il a vu. Fais attention, hein. C'est qui Dieu m'a mis à moi là, c'est trop dangereux. C'est parce que j'ai l'amour. Je laisse l'amour la primer. Sinon, je peux te réaliser puis maudit ton cerveau, tu as cancer en même temps. Voilà. Parce qu'il m'a donné le pouvoir de la parole, il m'a donné ça. C'est une arme pour attaquer les sorciers. Amen. Amen. C'est ça. Fais là. Pour attaquer la sorcellerie. C'est pas un sorcier qui me fraye. Hein? Apprenez quoi? Comment il t'a donné la sorcellerie? Il m'a pas donné la sorcellerie, je l'ai tué. Mais comment tu as eu la sorcellerie? C'est la tante? Oui, il t'a donné la sorcellerie. Et puis tu as fait quoi ça? On m'a donné la sorcellerie pour dégrader. Faut tuer les gens. Et tu as fait quoi? Oui, ok, tu as mangé et puis tu es devenu sorcière. Et quels sont les gens que tu as tués? J'ai tué une de ma tante. Une de tes tantes. Comment tu as tué? Je me suis transformé en corbeau. Un corbeau, oui. Et puis je suis battu à tuer. Comment? Je me suis transformé et je me suis envolé. Envolé où? En spirituel. Et puis elle dormait. C'est ça, elle est tuée. Elle dormait. Et puis tu as fait quoi? Et puis elle est piquée. Piquée où?
fait. Il y a eu quoi? Quand elle est piquée maintenant, c'est ça. Elle va eu le son bien le mot. Elle va bien le mot. Il est activé. Alors vite, hein. Il s'appelle Aizé. Aizé. Comment tu l'as tué? Lui, on se réveille, on s'est regroupé. C'est ça qu'on s'est regroupé maintenant, c'est ça qu'on l'a tué. On était plusieurs. On l'a tué. Et puis, il a tué une, elle s'appelle Lazé, elle a fait l'accident. C'est toi qui as provoqué l'accident? Oui. Ça fait quoi? Elle a provoqué l'accident. Elle voit Lazé. Maintenant, un bus est venu, et puis ça l'a tombé. Et c'est le mort. Comment tu as fait pour bus la police? Je me suis transformée. Et puis maintenant, elle était dans la voiture. Et ça, quand le bus est venu, c'est tombé. C'est ça, elle était dedans. C'est ça, elle est morte. Et puis ouais. Ça fait un accident. Il y avait beaucoup de véhicules qui pensaient. Mais c'est elle que tu as guetté. Tu l'as tué. Allons-y. T'as tué combien? 17 personnes tout à l'heure. Donc tu as ce pouvoir-là de faire accident, provoquer des accidents. Et puis il y a un qui s'appelle Marus. Travailler, il a fait un accident. Et puis il y a un qui s'appelle Marus. Un, je l'ai mangé. Tu l'as mangé? Il a appelé son âme. Et puis quand son âme est venue, c'est ça, il l'a mangé. Et nous voyons canard, hein, pas en pentade. Maintenant, il a gâté tout le ministère de ma maman. Elle travaillait, il a gâté son ministère. Donc, il y a mes deux grands soeurs qui étaient enceintes. Les enceintes, il a gâté ça. Il a gâté tous les enceintes. C'est ça? Elle a gâté, tu as des filles. J'ai deux bonnes filles. Elles ont pris des grossesses séparées. Bon, c'est l'aîné qui a pris grossesse. 6 mois après, l'enfant est tombé. Mais l'autre, elle est mariée, ça fait 4 ans, elle n'a pas encore pris de grossesse. C'est toi qui as la base de ça. Comment tu as fait? Comment tu fais? Hein? Eh, il faut parler comme une personne normale. Je me suis transformée. Oh, tu es malade ou bien? Parle, allez. Je me suis transformée. Quand je me suis transformée, maintenant, je suis rentrée dans son ventre. Et puis quand je suis. Tu t'es transformée en quoi pour rentrer dans son ventre? Je me suis transformée en corbeau. Et puis je suis rentrée dans son ventre. Donc tout ce que c'était dans son ventre, on l'a mangé. Et puis il est gâté sur mon sentiment. Si vous voyez, je vous donne une révélation. Vous venez, quand pendant que vous venez, vous voyez tourbillon. Si vous voyez tourbillon, donnez d'eau tourbillon. Hein? Plongez-vous dans le sang de Jésus. Revenez face, c'est fini. Si ça t'a enveloppé comme ça, c'est fini. Ton âme est partie. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu t'avoir. Nous sommes en train de venir sur le plan physique, t'attaquer, ça du physique. Vous m'avez bien saisi? Vous voyez le tourbillon, quand ça vient vers vous, donnez d'autres tourbillons. Plongez-vous dans le plomb. Vous ne pas attraper le physique. Non. Les pureux, ce soir de manger. J'aime bien manger les pureux. Amen. Tu regardes, puis tu plonges dans le sang de Jésus. C'est fini. Sinon, si tu n'as pas fait ça et que tu te prennes, c'est fini. Ils vont te dégrader, santé, toi de santé. Et quand ça va finir, tu vas commencer à être arrivé. C'est fini. Ils ont déjà pour toi. Or, le signe, quand vous priez pour une personne que Jésus ressuscite, le signe c'est l'éternuement. Il va commencer à être arrivé.
quand ça te dépasse, tu commences à éternuer, c'est fini. Alors on dit, mais c'est normal, il y a la poussière, ok. C'est un problème. C'est ce que je vous donne. Nous, on est là pour ça. Il y a des choses qu'on enseigne que les pasteurs ne peuvent pas enseigner. Là, ils ne sont pas prophètes. Nous, nous enseignons des mystères. Je peux te dire pourquoi le soleil est sorti. Je peux t'enseigner ça. Je peux te dire à telle période. Voici comment des sorciers font. Nous, c'est notre domaine. C'est comme l'hôpital de Col, vous n'avez pas les mêmes professeurs. Le professeur de français vient et donne les cours de français. Math vient et donne les cours de maths. Nous sommes dans des mystères. Amen. Amen. Voilà, j'ai étudié tout ça. Pourquoi le soleil sort, ça veut dire quoi? Pourquoi la lune, ça veut dire quoi? C'est des mystères. C'est des choses. Quand vous maîtrisez, surtout la nature, c'est fini. Amen. Amen. C'est des choses que vous devez connaître. C'est des connaissances spirituelles. C'est ce que les gens vont étudier. Ceux qui font le mysticisme, ils étudient ça. Et puis ils disent non, ils envoient foudre. J'étais à grand là où il y a un monsieur qui va envoyer fou. Et j'ai dit, moi, faut dire un mot. Ils sont allés les chercher pour me tuer. Le gars a parlé. Et puis il me dit, ça fait quoi? Que lui, j'ai dit, tu peux m'envoyer fou. Tu m'as mis cabri là. Est-ce que c'est mort? Ça fait 3 jours. Hein? 3 jours, c'est mort. Non. Toi, tu peux m'envoyer fou. Si tu répètes ça encore. Foudre là qui a créé, c'est pas mon papa. Satan a créé le foudre. Satan a créé quoi? Rien. C'est un usurpateur. C'est souffrance, c'est péché là, ouais. Je lui ai dit, tu sais, ceux qui peuvent trembler devant toi, là, tiens, toi tu t'adonnes pour dire, non, pour dire, c'est rien. Tu as parlé sur Cabri. Cabri est mort, mais voici, je suis vivant. Tu ne vas pas m'appeler de mon bouche encore. Si tu as parlé, tu vas voir. Il pensait qu'il m'amusait. Je dis, je te parle. D'ailleurs, me mets ton genou. Il s'est mis un genou. Quand il a fini, on dit, ok, moi j'ai pris le sable. Pendant qu'il parlait, il a parlé sur le sable. La semaine qui a suivi, il est tombé, il est resté dans la lagune. Les personnes l'ont mangé. Et puis, je joue à la chrétienté. Ah, vous me regardez. Il ne va jamais être chrétien, lui, là. Il a fait pacte avec. Il n'y a pas des potous, là, des grands, là-haut, des bounous. Il ne va jamais être chrétien. Non, c'est qu'il ne va jamais se convertir. J'ai parlé. Je sais ce qu'il a dit. Puis j'ai jeté ça. Le vent enregistré. Quand il allait sur l'eau, bah, le poisson l'a mangé. Les gens ne peuvent pas jouer avec eux. Amen. Cette année, la 2016, je vous donne trop dans le jeu. Oui, je suis trop déçu. Ah, vous me regardez, madame. Si tu n'es pas dangereux, ils vont te manger. Si tu n'es pas dangereux, ils vont te trouver. Ils vont te déranger. Moi, tu m'as effrayé, tu ne vas plus effrayer quelqu'un. Tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Quand vous effrayez, vous pensez au mur. Fini, va partir. J'ai fini de partir. Je te tue. J'ai respecté ce secret. Amen. Ouais. Ce qu'eux, ils font, ils maîtrisent le temps, l'espace. Il y a des choses qu'ils maîtrisent. Satan, je vous assure que Satan n'a rien créé. Amen. Ouais. Satan n'a rien créé. C'est parce qu'ils ont des petites connaissances bizarres qu'ils utilisent pour agir. Qu'on appelle le vent, qu'on avait ça. Et tout le monde, tout ça. Amen. Oui. Comment tu rentres dans le ventre de tes parents? Lève ta tête. Oui, mais comment tu fais? Je transporte. À quoi? Je vous ai expliqué l'aspect, je vous ai parlé de tourbillon. Hein? Vous êtes là, vous avez l'impression que ça soulève vos robes. Hein? Ça a déjà pris, c'est parti. Si tu n'as pas gagné dans la journée, il va envoyer un tourbillon contre toi. Il y a des choses, oui. C'est pour ça que dès que vous rentrez dans un village, que vous voyez une termitière, ne jouez pas avec ça. Arrêtez-vous. Commencez déjà, si vous avez des luttes, commencez déjà à pomader sur votre tête, parler. Amen. Et puis rentrez dans le village. Parce que la termitière sert de caméra et de radar. Ils sont au milieu du village. Vous allez retrouver ça. Ils ont plusieurs systèmes. C'est l'entrée ou la sortie du village. Quelque part. Franchement, vous allez voir ça dans le village. C'est fini.
Oh, il y a un petit secret pour les tuer avec ta amitié. Je vous dis pas. Mais si, c'est pas pour donner. Lui ne donne pas souvent les choses. Ah, c'est pas normal. Amen. 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 Et les choses qu'on doit vous donner, vous n'êtes pas prêt pour ça. Ta amitié, là, moi, je peux retourner quand les sorti. Ta amitié. Moi, je suis prophète. Les connaissances que j'ai comme connaissance de tout le monde la société. Si tu penses que c'est démoniaque, c'est ton problème. Moi, il y a front sorcier. Amen. C'est ce que je dis aux gens. Vous ne voyez pas, vous voyez tout en démoniaque. Non. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Or, c'est la connaissance. C'est des choses spirituelles. Comment t'attendais de prier là? Moi, il y a une petite clé qui gère ça, mais c'est fini. Le système se met en place. Amen. Amen. Maman de bébé, moi je connais la prière que j'adresse. Je peux marcher dans un train quartier et les sortir, je dis. Il me cherche, il ne me voit pas. Il voit mon bruit, mais il ne me voit pas. Quand on te voit, il tente pierre, tu rentres dedans et tu manges. Je suis arrivé à un stade de grande connaissance. Tu étudies toujours. Tu vois, je suis dans ma chambre sans dire étudier. J'apprends. Dieu m'enseigne les choses. Si tu n'es pas dangereux, ils vont t'attaquer. Dis amen. Amen. Je ne suis pas venu par l'église. Non, j'ai dit toujours, c'est parce que Jésus est puissant que je me suis donné à Jésus. Si Jésus n'était pas puissant, je n'allais jamais me convertir. J'allais rien me dire. Rien et rien. Moi, j'avais une logique dans ma tête. Je meurs, je suis au paradis, non au paradis. Je suis l'enfer, non. On m'a coincé les sorciers et dit, ah, ça là, il faut qu'ils m'en sortent. Oui, oui. Dans la vie, il faut te chercher. Amen. Amen. Oui, si tu es dans une situation, tu ne te cherches pas, la situation va te détruire. Non, c'est qu'elle est sûre. C'est pas du tout, moi. Pour que Dieu te délivre, il faut que tu fasses un pas. C'est de lever. C'est pour ça que la Bible dit dans, dans le solution 60, le verset 1 dit, lève-toi, t'as ta lumière. Lève-toi. Tu ne te lèves pas, ça va te tuer. Parce que tu es imparfait. C'est ça là que Dieu regarde pour te délivrer. Amen. Si tu n'agis pas, Dieu te regarde dans ta situation. Amen. Dieu ne va jamais venir te voir dans ta chambre pour te délivrer. Tu as fait quoi? Dieu est mon camarade. Non. Tu as fait quoi pour que Dieu te délivre? C'est quand bâtiment a crié que Jésus-Christ l'a délivré. Jésus n'avait pas rien à voir avec bâtiment. Tu n'es pas camarade. Non, c'est qui est sûr, ça va aller. Ça va aller faire vous. Tu sais combien de temps tu as vécu dans cette terre? Tu prenais ton lendemain. Tu fais rien, Dieu ne fera rien pour toi. C'est pour ça que je comprends ceux qui prennent les avions pour venir. Je les comprends. On ne s'assoit pas quand on est dans une situation. On ne sait pas. Amen. On se Amen. Cherche. Ah, moi, je suis cherché. Ils ont moyen mon papa, ils ont moyen ma soeur, ils ont moyen mon frère. Ah, ma soeur, il reste moi. Je peux me manger. Je suis si c'est choix. Je suis français.